Bonjour, dans la vidéo ça, nous pourrons parler sur la certification bon hygiène bouche et comment pour nous pratiquer les qui ça et qui bénéfice fil dentaire. Accompagnez-moi. Ça et bon hygiène dans bouche signifie gagner une bonne hygiène dans bouche important pour éviter caries et maladies gencives. Une bonne hygiène dans bouche, bah une bouche qui gagne apparence et un centre qui agréable. Ça signifie. Dans yo propre et yo pa gen reste manger. Gencive yo présenté yon couleur rose et yo pa fè mal ou bien saignent pendant wap brosse ou bien nan nettoyage avec fil dentaire. Mauvaise haleine pa yon problème tout temps. Si gencive la saignent pendant wap brosse ou bien nettoyer avec fil dentaire ou souffri mauvaise haleine qui persistant, visite dentiste. N'importe nan infection sa yo indique yon problème. Comment yon pratique yon bon hygiène dans bouche? Yon nan bagay ki pi important ou capable de faire avec dans ou se pratique yon bon hygiène dans bouche. Dans en santé, non seulement bay aspect ak met li et li fait le sentir bien, sinon li permet li parler avec normalement. Yon bon santé dans bouche important pour bien-être général met li. Soins préventifs chaque jour, tant que brosser, utilisation rince-bouche avec fil dentaire, évitez problème après qui gagne moins douleur et moins coûté pour l'organisme qui a progressé. Dans l'intervalle de visite régulière avec dentiste, il y a quelques applications que nous pouvons continuer à utiliser pour réduire significativement ce qui peut arriver. Maladie gencive avec l'autre problème dans la bouche, tant que. Numéro 1. Brosser dents ou en profondeur. Utiliser fil dentaire avec rince bouche ou au moins deux fois par jour. Numéro 2. Faire un régime alimentaire équilibré et puis réduire consommation sucre dans manger. Numéro 3. Utiliser produits dentaires qui gagnent fluor inclus pas de dentifrice. Fil dentaire. Ensemble filament fin de nylon ou bien plastique utilisé pour retirer tes crasse manger avec plaque dentaire dans l'espace entre fente dents yo, li doit utiliser avant brosse dents. Brosser langue lent pour éliminer bactéries et puis haleine ou fouet. Alors, comment moins doit brosser dents yo avec prothèse yo? Premièrement, moins doit prendre une brosse dents que m'gagne, filament fin, manche droite, petite tête avec poil soie. Moi dwe rendre compte l'aime a acheté un pâte dentifrice l'abdi nan pati derrière côté qui indiqué ingrédient yo 1150 ppm de fluor pour le boss la dwe di avec filament ou sans filament et boss dans dwe même gens ak ça nous té révisé dans image avant indication pour nous kembe prothèse yo dans une bonne condition. Nous devons brosser la prothèse avec une brosse pour prothèse. Et ça, c'est une brosse qui est résistante, qui a un poil ferme et qui dit spécialement créée pour prothèse. Nous devons nettoyer la prothèse tout chaque jour avec savon glycérine. La fin de prothèse, nous avons une bonne condition de propriété. Et à la fin, nous devons retirer la prothèse chaque soir. Mettez-yo dans yon godet de l'eau. Alors, nous devons rappeler nous pour utiliser éléments corrects pour réaliser un bon nettoyage dentaire à prothèse yo et à l'ouest dentiste nous deux fois chaque année. Merci beaucoup pour attention nous.